Bienvenue dans Kam Show. Je m'appelle Cynthia Kams. Bino mon boye binaza moana na bino liki na bino préféré. Au bo mesana kota la chaque mardi à partir de 19h, 20h. Excusez-nous pour la moire et temps, mais t'as la kaka. Bilro mouta salaka. Ce qui nous embête, on est à l'heure. Mais bilro batoua salaka. Ya onde mimi biso mon ke na retard. Mais j'espère que bino ne vous êtes prête parce que lelo toro beta li solo ya enfant congolais. Né et grandi en Europe. Mais qui sommes-nous? Est-ce que tous les Congolais, tous les Européens, tous les Anglais, Français, Allemands, tous les Nani? Les gens ont discuté sujet où vraiment il y a mon tout, il y a pour la bise autocola en Europe, na poto, na mémé bino, un jeune homme qui s'est dit que pour na yé, aza, mon amboka, mais en même temps que aza, mon apoto. Donc on ne sait pas, tout redécouvrir un peu, pour tout yé, bah, se identifier, tout yé, bah, identité na bise. Et aussi comment aider pour que les parents aident pour qu'ils puissent connecter avec leur culture africaine et leur culture européenne. Aujourd'hui pour vous, spécialement pour ce sujet, nous avons Piana Yona Kabamba. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Piana. Comment tu vas? Très bien et toi? Ngapi, ça va très bien. C'est peli vraiment mingi kozano na émission parce que si sujet ou ça sujet que bate belé ba lobelango. En fait, on parle ça derrière la caméra mais il est temps que aussi que bisoto lobelango. Et si comme j'avais dit aussi tout à l'heure que mon amouke lelo akobeta mbonda, mon kolope akoyoka akososola pe akobina parce qu'en fait, tu vas nous conseiller aussi quand même. Tout à fait. Du moins je vais essayer. Et exactement, je suis sûr que ton meka ton se conseille. Yanné, bino peut beau conseiller bino. Moi je te connais bien sûr, mais pour ma bateau voyez bien en tête, s'il te plaît présente-toi. Alors bonsoir tout d'abord à tous. Je me présente, je m'appelle Piana Yona Kabamba comme l'a présenté si bien Cynthia. J'ai grandi en France, je suis né et grandi en France, fait toutes mes études. Je suis le deuxième enfant d'une famille entièrement congolaise, papa et maman. Donc ayant deux cultures française, du moins. Et au niveau de l'éducation scolaire, déjà moi, musique, piano, on a le temps. Voilà. On a le temps, exactement. Et puis, en fait, fallait ma prochaine question, mais est-ce que Zwinga avance? Trop d'avance. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto, bien sûr. En fait, pourquoi tu penses que tu es le meilleur dans le sujet où il y a culture? Alors, parce que tout d'abord, je pense que on a, du moins les enfants qui sont nés et grandis en Europe, on a un petit problème que personne d'autre ne peut développer. C'est-à-dire qu'en étant éduqué à la congolaise, à la maison, et ayant fait nos études en France, du coup, on cultive deux cultures. Deux cultures qui parfois s'opposent. Et donc, du coup, voilà pourquoi je me disais que, du coup, on ne sait plus vraiment comment se sentir lorsque on se dit, par exemple, aller au Congo, on nous regarde d'une autre façon. En France aussi, eh bien, en Europe, on nous regarde aussi d'une autre façon. Donc, en fait, tu as fait l'expérience, voilà, il y a les Cambo, Ozo, le Bela. Tout à fait. En fait, Ozo, le Bela, expérience, il y a moi, même si dans 2 ans, dans 30 ans, 40 ans, on peut aussi faire une petite expérience. Voilà. Ozo, le Bela, moi, expérience, Oyo, tu as vu, tu as vu dans la vue. Tout à fait. Ah, ok. Je crois, il y a mon tuya, Isaac, que tu nous parles un peu de ton enfance, au Colan Degenin. Parce que ça, tu comprends comment il y a au Colan, tu comprends aussi. Et l'oronine est pécieux, moi, échanger mentalité. D'accord. Tu as au Colan, une famille stricte congolaise. Famille stricte. Famille stricte, typiquement kassayenne. Kassayenne, exactement. Kassayenne. Typiquement baloua style. Kassayenne, donc. Ça veut dire pas de Lingala Nanda. Non, on a grandi entièrement dans une famille. Kwanga. Pas du tout. No way. No way. No way. Donc, strictement strict, avec papa qui était professeur, maman infirmière. On a été beaucoup, on a beaucoup plus grandi, par exemple, au niveau culturel, dans le Tchiluba, parce que nos parents n'ont pas parlé Lingala. Akula. Djokula. Djokula. On sentirait un peu la Mounouba. Donc, voilà. Donc, c'était, comme je l'ai dit, typiquement Luba, strict, avec des règles bien, bien définies. Français, Tchiluba à la maison, Lingala dehors, du moins, comme nos parents ne l'ont pas enseigné, on l'a un petit peu appris dehors, avec nos copains, la musique, etc. Ouais. Et donc, voilà. Après, j'ai fait tout mon parcours en France, banlieue parisienne, Paris.
et me voici maintenant résident à Londres. Moi et toi, tu colles quand même en dehors du pays. Tu vois, tu colles à Awa. T'es né ici? Ouais. D'accord. Tu es à Awa. Pourquoi c'est important selon toi que tu aies la culture nabissière congolaise? C'est important, pourquoi? Parce que je pense que notre culture, nos racines sont une boussole pour nous. Mm-hmm. Moi, je pense que sans racines, je ne pense pas qu'on puisse arriver à s'identifier. Mm-hmm. Moi, je prends souvent cet exemple-là que j'avais notamment dit à ma prof de philosophie à l'époque en 2004-2005, mm-hmm. lorsque je passais mon baccalauréat, où j'ai un peu imagé, on va dire, cette image de la double culture. Okay. En lui disant que mes parents à moi oui. sont un pommier mm-hmm. qui ont engendré une pomme, donc moi, mais cette pomme a grandi dans un champ de tomates. D'accord. Champ de tomates qui est l'Europe, la France. Hein, la France. Voilà, qui est l'Europe. Okay. Alors, est-ce que, en tant qu'identité, est-ce qu'on doit m'appeler tomate parce que je partage le sol avec les gens mm-hmm. ou bien pomme parce que je suis issu du pommier? Philosophie, beaucoup mon philosophie dans Azure, vraiment, on a aussi cas pour nous faire comprendre. J'aime bien. Une autre chose aussi qui est très intéressante avec toi, bien sûr, Tozo Benga un piano, mais en fait, un piano de naissance. Oui. Kombo, non, c'est pas. C'est un piano, bien yeah, sûr, oui, mais un piano, yona kabamba. Ouais. Donc, yona wana. Ça veut dire quoi? Et où t'as rapi? Alors. Pour la petite histoire. Parce que c'est exactement, ouais. moi je le connais. Parce que pour moi c'est différent. Pour ton, mais ça n'a pas Cynthia, bon, Jean-Louis, Jean-Michel, Aimé, hein, des Lydia, des. Combo, il y a le poteau. Comme Mobutu le disait, le poteau. Mais pourquoi toi c'est Yona? Alors en fait, pour la petite histoire, par souci d'intégration, mm-hmm. donc nos parents nous ont donné un nom à connotation congolaise, mm-hmm. un prénom français. Mm-hmm. qui est bien à la base, n'est pas Yona dans mon cas. Mm-hmm. Yona, il est venu comment? Mm-hmm. Mon prénom de base, mm-hmm. c'est Mpiana, hein, mm-hmm. qui ne bouge pas, ouais. Jean-Luc. Okay. Et en mon nom de famille, Kabamba. Mm-hmm. Et le Yona, je l'ai changé, j'ai décidé de le changer par moi-même. Pourquoi? Parce que je ne m'identifiais pas au Jean-Luc. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me sentais un peu comme un usurpateur d'identité. Mm-hmm. C'était quelque chose qui n'appartenait pas à ce que j'étais. Dans mon année, c'est les ayotés. Mais c'est pas moi, donc ça ne me dit absolument rien. Mm-hmm. Donc, la chose en est que pourquoi je l'ai changé, c'est parce que tout d'abord, chose que tu dois peut-être savoir, ouais. mais que je transmets aussi avec nos compatriotes peut-être qui nous suivent, c'est que à la maison, mm-hmm. on nous appelle Mpiana. Mm-hmm. À l'école, on est inscrit en tant que Jean-Luc. Mm-hmm. Donc, on se dit à un moment donné qui nous sommes. Mm-hmm. Donc, voilà. Papa, nous bengons Mpiana. Oui, à la maison, papa, maman, c'est le piano. Ok. Ouais. Dehors, quand on va à l'école, c'est Jean-Luc. Ok. Ouais. Et donc, moi, le Yona. Et un jour, tu es là, tu ouvres la Bible. Voilà. Et un jour, ce qui se passe, un jour, je trouve la Bible dans Chiluba. D'accord. Et je commence à la lire. Oui. Et je cherche la traduction. On a souvent aux autres termes la Chiluba. Du moins, j'essaye. Parce que des termes qu'on ne comprend pas comme ça. Oui. Parce que la lecture mm-hmm. et l'audition des Chiluba, parfois, mm-hmm. a. Un accent près change tout le sens de la phrase. Mm-hmm. Donc, du coup, ce que moi j'ai fait, j'ai cherché directement le livre de Jean, d'accord. mais en Chiluba. Et j'ai trouvé que le Jean, c'était Yona. Mm-hmm. Le Luc, Luca. Luca. Mm-hmm. Voilà, le Luca. Et donc, du coup, c'est à partir du moment-là que je me suis approprié le nom de Yona. Et j'ai préféré revenir à mes racines mm-hmm. pour mon deuxième prénom. Mm-hmm. Voilà. C'est quoi la culture pour toi? Si tu devais définir la culture, je sais que c'est vaste, et c'est vraiment ébellé. Vaste, ouais. Mais Nandenga Mouki, ou bien qu'est-ce qu'elle importance dans le Bakito et l'eau Nino Talara? Pour moi, la culture, elle se définit peut-être en 3 ou 4 parties. Mm-hmm. Ça va être le prénom, mm-hmm. la langue, mm-hmm. La nourriture, ouais. et ta vision des choses. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs visions des choses en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Mm-hmm. Pour moi, la culture, elle se définit du moins par ces 4 grands paramètres. D'accord. Ouais. Il faut comprendre que notre frère Azol Obaba français, belé pour Akola na France. Mais non, on l'appelle Lingala. Talara, parce que ça, bandi chiluba awa, je crois na ko kangama, na oyé ba ko batte. Aïe, 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 aïe. Toi, ça coûte gila, je crois maluka et malubimpa. Donc, Mayel. Ah, non, Monis. Je crois que tu as vraiment tout dit. Quand nous parlons culture, qu'est-ce qui est l'importance? Qu'est-ce qui est l'aspect positif de la culture au monde arabe? C'est un repère. Mm-hmm. Pour moi, c'est un repère. C'est-à-dire que
je prends ta question et je vais essayer du moins de faire très vite et de la diviser en quatre parties. Pour moi, la culture, c'est-à-dire, pour moi, c'est un repère dans le sens que aujourd'hui, lorsque tu prends ton téléphone, par exemple, et que tu appelles n'importe quelle personne sur ce monde, juste à son prénom, tu vas savoir d'où est-ce qu'il vient. Exactement. Donc, supposons que tu appelles au Maroc, bien, disons que tu tombes sur un Mohamed. Oui. Tu vas savoir que Mohamed, c'est forcément Moyen-Orient, Maghreb, etc. Tu tombes sur un Ding Zhanglong, tu sais plutôt qu'il vient de l'Asie. Un Michael Taylor, tu sais qu'il vient des pays peut-être américains ou bien britanniques. Gonzalez, pays hispanique. D'accord. Et quand tu appelles en Afrique francophone, bon, c'est dû, aussi dû à notre histoire. Hein. Donc, tu vas tomber sur des théophiles. Et là, tu dis par exemple qu'un autre va s'appeler Marc, un autre va s'appeler Serge. Et tu te dis. En fait, du coup, on s'est habitué à banaliser ce genre de choses-là. Et du coup, on laisse un petit vide culturel chez nous et se dire qui va s'approprier nos prénoms à nous si nous-mêmes ne les utilisons pas. Mais pourquoi tu penses ? Pourquoi tu penses qu'on a rejeté nos noms ? Ah, c'est tout d'abord aussi, c'est dû à notre histoire. C'est pas quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est, c'est une conséquence. C'est une conséquence due à l'histoire, le colonialisme, etc. Donc ça, pour moi, c'est pas aujourd'hui. Mais je pense de l'autre côté, sur Total IP, il y avait aussi les Indiens, ils étaient colonisés. Ouais. Mais Bazaki colonisé, mais quand même, ça veut dire que Baza toujours na Bunjabi, Gurdjieff, Baza na oui, toujours. Il y a ces choses-là qui restent. Et en fait, les Indiens, ils ont su se réapproprier leur culture, leur identité par leur bon vouloir. C'est-à-dire que quand on prend aujourd'hui l'histoire, bon, on ne va pas faire un cours d'histoire aussi, mais tout simplement notre histoire à nous, donc on a vécu de longues décennies, de longs siècles de colonisation qui a un petit peu effacé justement notre culture à nous-mêmes. Et donc, du coup, je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit on peut pas la demander, mais on doit tout simplement se la réapproprier. Donc pour moi la logique elle est simple, c'est quelque chose qui est, pour moi c'est la culture, c'est quelque chose beaucoup plus de collectif que d'individuel. C'est à dire que ça doit être une conscience à un moment collectif de se dire ok, parce que si on a un pays, si on a notre culture que Dieu nous donne, c'est pour nous tous, c'est pas seulement pour moi. Je n'ai pas le monopole de notre culture. C'est quelque chose qui est fait pour partager. Donc je pense qu'à ce moment-là, il serait bien, plutôt que je conseille, de se dire que ok, on doit être fier de ce qu'on est. Notre culture, notre langue, les prénoms font aussi partie de notre culture, de ce qu'on mange, notre culture de la sape, tout ça, ça nous appartient. Et je pense qu'à un moment donné, notre culture, quand elle nous appartient, il faut même se réapproprier les choses les plus importantes et notre base. Et notre base, parfois, se rattache parfois à des choses comme les prénoms, notre langue. Et pour moi, c'est tout simplement ça. Et comme tu avais dit, quand tu avais commencé à apprendre le Tchilouba, c'était des bas âges. Tu savais que non, voilà, Tchilouba, il faut l'ouba boy. Oui, les parents, ils étaient stricts que non, Lingala nanda kouro l'obate, ou bien ils disaient rien. Alors, déjà, pour savoir, c'est que mes parents sont kassayens, donc papa, du moins, côté papa, a toujours grandi à Mujimaï. Est parti à Lubumbashi à ses 18 ans faire ses études secondaires. Maman est née et grandit à Lubumbashi, mais est kassayenne. Donc, il n'y a que le Tchilouba et Swahili qu'ils connaissent. Donc, ce n'est pas quelque chose où je peux dire qu'ils nous interdisaient absolument les Lingala, parce qu'eux-mêmes, ils ne le parlaient pas. Mais tout simplement de se dire qu'on a grandi dans ça, nos parents nous ont toujours parlé en Tchilouba. Ils parlent en Swahili entre eux pour se coder, pour dire voilà, pour te dire ah, lui, il a fait le connerie, tu vois. Mais de base, c'était le Tchilouba. Et donc, nous, on a grandi dans ça, on a connu que ça. Et du coup, par rapport aux langues, parce que pour moi, c'est aussi important d'apprendre d'autres langues de chez nous. Donc, à 14 ans, j'ai commencé à me mettre à apprendre le Lingala. Donc, j'entendais souvent des chansons Bolingo. Je dis Bolingo. Bolingo, c'est quoi ça? Bolingo, ça veut dire quoi? Tu vois? Donc, à un moment, tu t'intéresses. Et puis, du coup, juste pour la petite histoire, chez mon oncle, Papa Atanas Kazadi, que je salue, qui réside en Suisse et Kinshasa, qui nous a ramené un dictionnaire français Lingala. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler moi-même après l'école sur le Lingala, prendre des chansons, écrire en phonétique. Je prenais même une chanson de Kofi que j'écrivais à l'oreille, tu vois. Et j'apprenais comme ça. Ah oui, ok, ça veut dire ça. Et du coup, c'était aussi un moyen aussi pour discuter avec des cousins à moi qui ne parlaient pas forcément le Tchilouba ni le français. Qui avait grandi à Kin, et donc du coup ça m'a aussi beaucoup aidé. Moi je te dis personnellement, moi na yekola, les gens vont rigoler, Lingala, j'avais 16 ans comme ça, avec les théâtres.
Donc, on a dit que de chez nous, José de Londres, on a dit que c'était un peu comme ça. Il y a pour Molingala, il y a Bukana, Bukana, il y a Mingi. Vraiment, le théâtre, c'est comme ça que j'avais la bande à Koyekola, de petit à petit aussi, Bisopé, Balouba, du Kassai, Bujimaï, je crois, Bujimaï. Ah, tu veux pas dire Bujimaï, non, je ne sais pas, c'est même Bujimaï, je suis sûre. Okay. Donc, petit à petit, on avait le droit de parler, on n'avait pas le droit de parler, mais après, Zokola, on te dit d'accord. Aux hommes, mais quand même, maman, zobé, toté, ou mais qui m'a dit, maman, l'obé, l'autre, aïe, n'a qu'un des caramels, bah, ouais. Aujourd'hui, je crois, bah, tout n'a pas, mais yon, n'a pas de bébé, si yon, n'a pas de longo, la kissio, lingala, comme ça. Ouais, tu parles bien. Merci. Tu parles bien, quand même. On dirait, moi, l'ambo. Merci. Moi et toi, tu collais avec deux cultures, aussi deux identités. Tout à fait. Quelle est ta culture, son atout, quelle est ta culture, quelle est ton identité, Orolobani? Bon. J'ai envie de dire que je résume ça toujours en une seule phrase. Oui. En disant, je suis un Congolais qui a les mêmes droits et devoirs que tout bon citoyen européen. D'accord. C'est tout. Et quels sont les typiques, typiques en tant que Français aux Anango, quelles sont les cultures, les côtés culture typiques qu'il y a pas Congolais aux Anango? Tu dis que non, on a normalement qui Français, on a normalement qui Congolais. Ouais, en fait, justement, c'est un très bon sujet que tu entames maintenant. C'est-à-dire que je tire bon des deux parties. Je garde ma base africaine. Je prends un exemple concret pour que peut-être les gens puissent se référer aussi à ça. Aujourd'hui, nous, là, en tant que Congolais, on a la culture du retard. Ah oui. Donc, Bandeko, Boulim Sabisopé, Toyibike, c'est pour s'animer. Voilà. Mais on a cette culture du retard. Dans la culture française, du moins européenne, on dit souvent time is money. Time is money, oh oui. Time is money. Donc, tu dois faire tout pour arriver à l'heure. Donc, si tu as rendez-vous à 15h, 15h15, parce qu'il y a le quart d'heure de tolérance, et bien la personne s'en va. Parce qu'ici, les gens n'ont pas le temps. Et donc, du coup, de ce côté-là, je prends la culture européenne. Européenne. Du côté, on va dire, respect familial, éthique du moins, moi, je prends mes racines du côté Congo. Et donc, du coup, je fais un micmac de tout ça pour me faire une seule identité. Donc, j'ai envie de dire que je suis un Congolais. Donc, on va dire que, grosso modo, je suis un Congolais à 80%. Et 20% que j'ai pris un petit peu, que j'ai un peu gratté par rapport à mon lieu de résidence. Donc voilà, mon identité c'est ça, c'est ceci. Mais est-ce que Kola a toujours la mentalité où on a que non, je suis 80% Congolais et puis le reste c'est mentalité français? Ou bien changement Moro et Zaki Wana? Ou bien déjà depuis bas ça, je lui ai dit que non, moi je suis 100%. Moi déjà, je sans cacher, nous on a grandi dans les quartiers. Ouais. Donc. On était beaucoup attachés à cet esprit street, rap, hip-hop, tout ça, etc. Donc, même le côté congolais, à ce moment-là, on l'avait peut-être pas encore. On l'avait pas. Mais seulement, c'était dans l'éducation, c'est-à-dire manger les matins. Bah, donc, le pondo, ce genre de choses-là, la musique qu'on entendait souvent par papa, les franco, les madilou, tout ça. Mais on va dire que moi-même, à ce moment-là, en bas âge, ça ne m'intéressait pas tellement. D'accord. C'est seulement, je sais qu'à la maison, maman va me parler, tu le bois, bien à loi, quoi. Mais je sais que quand je suis moi-même, j'étais beaucoup plus le mec du quartier, avec mon petit côté Moulouba sur le côté, vois. Et donc je savais un peu comment jongler. Mais après, en grandissant, tu cherches à t'affirmer, tu cherches ton identité. Et donc du coup, fier. Est-ce que mon à côté fier? Non, moi je sais pas. Est-ce que bozo mon à côté à fier naïe? Parce que depuis le monde, il y a un peu de sabino qui a fait. Oh, ma binaïe. Ma binaïe. Parce que y a certains trucs qu'on dit que Moulou baza fier. Ça, c'est pas notre faute. Ça, c'est la faute de nos aînés. C'est eux. Ça, c'est nous, on est arrivés à une nouvelle génération. Donc, ils ont appelé moi, mon père. Non, il faut toujours un petit peu de fierté. Un tout petit peu, à sa juste mesure. C'est quoi, fier, il y a Baloubana, il y a Français, Sangui, Samy, catastrophe. Hein? Parce que le Français, il y a Baza fier. Au moins, il y a Français dans mon nom. Hiroshima Bakos. Bombe atomique. Des heures. Donc déjà français balinga mon nom on a bango ma casse il y a mon besoin mon année à zokanga mais à côté français wana si qu'on est atteint ici mutu wana est à côté à Baluba on a fier en plus Sabino ka parti. Moi je suis métisse, moi ça m'a métisse, il y a mon besoin mon aboy
Ah non, 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 mais tout à l'heure tu avais dit que non, les Français vous êtes qu'à 15 minutes, un quart, un demi, un quart d'heure. On a besoin d'un quart d'heure de venir en retard et tolérance. Mais où est-ce qu'on a ça allemand chez nous? C'est 30 minutes avant. Hein. Oui. Au Yéna Place, c'est 30 minutes avant. Justement. Est-ce que tu trouves qu'il y a un avantage, Yakoko, avec tous les deux nationalités, ou bien culture, je disais culture. Parce que avoir deux cultures, c'est avoir deux modes de pensée. Parce qu'aujourd'hui, tu prends quelqu'un, pendant un Britannique classique, là, on est à Londres, il a une seule façon de penser parce que il est chez lui. Avec sa façon de penser, avec son éducation à lui. Et donc, du coup, il n'a pas une autre façon de penser. Pourquoi? Parce qu'il n'est peut-être pas parti ailleurs assez longtemps pour développer un autre sens de la réflexion. Moi, j'estime que, oui, pour moi, c'est une force. Parce qu'aujourd'hui, je peux, comme je te l'ai dit, là où notre culture congolaise est défaillante, je remplace cette défaillance-là avec la culture européenne, voire la française. Et là où la culture française est défaillante, je la remplace avec le côté congolais. Un exemple simple où je peux te dire quelque chose. Au lycée, avec mes potes, on était des bons élèves. On travaillait bien, mais voilà, comme tout garçon, à un moment donné, tu aimes bien déconner, chamailler, etc. Mais, du coup, ma culture congolaise me rattrape à un moment donné quand mes potes, par exemple, se permettent de manquer de respect au professeur. Okay. Chose que moi, je ne peux exactement. Pas faire. Exactement. Est-ce que c'est des avantages type quelque part? Parce que mon professeur comprend que non, il y a vraiment un rôle de la mythique. Si il va commencer à abuser, toujours mettre toi, yo. Non, justement. Pourquoi? Parce que moi, de mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Ça veut dire que, à partir du moment que je respecte les limites, je respecte les miennes en tant que professeur. Mais j'ai eu des fois, je dois l'avouer, je suis un garçon, j'ai pas été un ange tout le temps. Mais du moins, ma culture africaine m'a retenu de faire beaucoup de choses. Elle m'a empêché de faire beaucoup de choses, du moins par rapport à mes camarades qui étaient beaucoup plus, qui étaient français. Par exemple, je donne un exemple, manquer de respect à des professeurs, comme je l'ai dit, mettre des pétards en classe. Donc c'était le bordel. En plus, à Paris, vraiment, Boza, catastrophe, n'est-ce pas? Et puis mes parents, c'était toujours, vous allez à l'école, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a toujours cette voix-là des parents qui ressassent dans ta tête à tout moment que non, je suis là pour étudier, je suis là pour étudier. Et donc, du coup, c'est ce qui te retient. Et c'est cette éducation africaine, justement, qui t'empêche de faire ça. Parce que on a la possibilité de choisir soit la rue, l'éducation de la rue, suivre nos potes, ou soit suivre les parents. Et bien les parents, comme ils avaient inculqué une très forte éducation africaine, ça nous a empêché de faire beaucoup de mauvaises choses, du moins. Bozo comprendre, je crois que Tozo on a vraiment découvrir un peu plus l'importance de la culture. Moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose de bien, et je crois que c'est aussi quelque chose que mes parents, ils doivent il faut pas coacher ça en toi des bas âges, te faire comprendre l'importance que il y a ma place où tu tout connais même du village de Kassai. Moi je suis comme pour ceux qui connaissent un peu le Kassai, moi je suis de la région du Kassai oriental. Côté Mbujimaï. Donc je suis au sud de Mbujimaï, en Ngandajika. Ngandajika, je suis de la fratrie de Benakalambay. Donc Benakalambay, c'est un très grand village. Donc quand tu vas chez les Benakalambay, tu dois dire effectivement de quelle lignée tu descends. Donc cette lignée-là, moi je suis des Bena Nyandu, j'ai un trou de mémoire, mais je sais. Bena Nyandu, Benantomba. Voilà. Donc si moi je suis le Kalamba, je suis des Benantomba, on va directement me ramener jusqu'à où sont les Benantomba, donc les gens directement de ma famille. Waouh! Et là, mon nom, c'est Pelanango, vraiment, félicitations d'abord à tes parents parce que ils t'ont appris. Papa Kabamba, Maman Kapinga, Noamouni, Noamouni Pingyo. Pour se sentir. Et ça m'a élingué. Nous avons un peu de temps parce que nous c'est un peu vraiment savoir que c'est rare que nous avons un peu de temps vraiment place un village un descendance na bango parce que les lobes chrétiens et belé tout temps la Bible tout temps descendance tant que descendance à Jésus Christ c'est brouillé tout avant Jésus Christ tant que descendance à Abraham brouillé Moïse brouillé Macamounios. Mais quand il s'agit à identité nabino, quand il s'agit de là où tu viens, ce que Zanani, bah te belé bazo bossa na identité nabango. S'il vous plaît, et c'est très important que tu y aies place ton outil parce que est-ce que tu te sens à la maison quand tu es en Europe?
Non. Sincèrement, par rapport à ça. Je vais encore poser une question à Nezozonga tout à l'heure. Par rapport à ça, non. Et là, mon Mikolo, tu as trop. Tu vois, ben, les jeunes, même ils sont 20 ans, ils ont 20, 25 ans, on va demander, oh, toi, tu es quoi? Oh non, moi, je suis English, mais mes parents sont Congolais. Mes parents sont, moi je suis allemand, mais mes parents sont congolais. Oh, je suis américain, mais mes parents sont. Et ça, là, on dénite en Yorali Kambaboué. Ça, je constate tout simplement qu'ils sont perdus. Mm-hmm. Je ne juge pas. Tout simplement, je constate qu'ils sont perdus. Et ça me fait un peu mal. Donc, c'est parce que moi, ma philosophie, comme j'ai dit dès le départ, c'est l'histoire de la pomme et la tomate. Ouais. Donc ça me fait mal un peu d'entendre ça. Je me dis que ces gens-là ont besoin d'apprendre, du moins de s'attacher beaucoup plus, de comprendre l'importance de la racine. Mm-hmm. Parce que moi, ça me fait mal. Ils s'attachent beaucoup plus à leur culture résidentielle qu'à leur culture. Mais est-ce que c'est mauvais quelque part que on s'attache à la culture, la place aux ovandes? Est-ce que ça m'a bien? Peut-être ils vont te dire pour vous à la, comment on appelle ça, intégrer. Moi, je pense qu'on peut mixer les deux. Mm-hmm. Après, c'est juste question comment aussi les parents aussi les ont éduqués, qu'est-ce qu'ils ont exactement éduqués. À qui la faute. Et voilà, après, c'est aussi le libre choix de l'enfant. Mm-hmm. Donc, il peut s'attacher plus à la culture résidentielle qu'à la culture originale. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il est important, parce qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup plus les... Bon, malheureusement, nos frères nord-américains, ils sont beaucoup plus perdus. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils sont en quête d'identité, mais ils ne se retrouvent pas. Donc aujourd'hui, tu regarderas que même, ils cherchent à payer même très cher des gens, des scientifiques, pour qu'ils puissent retrouver leur réelle identité. Exactement. On le retrouve dans la musique. Oui. On voit aujourd'hui Shakira qui a fait des Waka Waka, on voit des Beyoncé qui prennent des sonorités un peu africaines. Mm-hmm. Donc, ça passe un peu pour tout ça, et aujourd'hui, c'est à un moment donné, il viendra des générations où les gens vont chercher vraiment à savoir qui ils sont et à s'affirmer. Parce qu'on dit, il y a un proverbe en Tshiluba qui dit Mvula wakaleja, kaluma kwab. Ce qui signifie que lorsqu'il pleut, instinctivement, l'homme a cherché à rentrer chez lui. Et cette chose-là, les Américains aujourd'hui sont en train de le faire. Pourquoi? Parce que les Nord-Américains, par exemple, aujourd'hui, ils sont meurtris, ils sont maltraités, ça date depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, ils cherchent tout simplement à s'affirmer, mais ils ne savent pas s'affirmer parce qu'ils ne sont pas chez eux, parce que rien que par leur titre que l'on donne d'afro-américain, on cause déjà une séparation avec les Américains qui étaient déjà en place. Donc du coup, quand on leur dit afro, mais Afrique où? Afrique où, exactement. Donc c'est un peu ça. Je crois que c'est une expression aussi, on a ces pelanangote, quand on les appelle les Noirs américains, bon, ben, afro-américains. Là, on dit que tant que longo la bango, na Afrique, bah, même bango en Amérique, avec la façon que détruit sa identité, on a détruit toute leur identité, toute leur culture, on a effacé, ils ont fait en sorte que vraiment va changer combo, va changer mentalité, va changer bilorognon, c'est quoi vous obéir à bango afro, malgré que vous les avez effacé de l'afronisme, wana donc normalement faut obéir à bango américain ou bien noir américain ou le bani. On les appelle afro juste par leur couleur de peau. Et leurs cheveux crépus. Nord-américain, Nord-américain, c'est cause d'une séparation. Donc, à un moment donné, ils acceptent l'histoire de se faire appeler américain. Donc, du moins, c'est pas eux qui ont choisi de se faire appeler nord-américain. Exactement. C'est beaucoup plus, justement, de là de se dire que c'est une identité imposée et pas voulue. Donc, après, c'est l'histoire qui est comme ça. On va pas la refaire. Mais c'est triste. Est-ce que parfois aussi dans la vie, Omi Tunaka, qui suis-je? Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu sais, oui, aujourd'hui, je m'affirme. J'ai eu un moment où j'ai fait une crise d'identité à l'âge de 9 ans. Lorsque c'est perturbant qu'on vous inscrit avec un nom français, un nom, et vous avez la maison que vous êtes congolais. Et j'ai fait cette crise-là et j'ai fait une espèce de petite rébellion dans ma famille où j'ai dit à mes parents, lorsque j'entrais au collège, donc première année secondaire, que non, cette fois c'est terminé. Vous allez m'inscrire en tant que piano. Et puis... En tant que le deuxième de la famille, l'aîné n'avait pas ce problème. Ma grande sœur, donc c'est ma grande sœur, Tumba. Donc ça l'intéresse pas trop. Elle est beaucoup plus bon. Moi, je suis tranquille. Donc on m'appelle Tumba ou Sandrine. Bon, moi, ça a pas de sens. Mais elle n'était pas tellement dérangée par rapport à ça. C'est peut-être aujourd'hui, avec les enfants qu'elle a, et puis
notamment avec l'âge aussi qui avance, la maturité qui en prend aussi un coup. Donc on commence maintenant à y réfléchir. On commence maintenant à y réfléchir, ouais. Entre France, parce que yo, vraiment, en fait, tu viens de trois pays, hein. Tobandi France, Tobandi Angleterre et le Congo. Ouais. C'est où que tu te sens à la maison? Au Congo. Ah bon? Ouais. Mais malgré que mentalité, non, la mentalité là-bas, elle est différente. Oui, justement, la mentalité est différente et c'est et ça a été un choc de culture. La première fois où je suis parti, je suis reparti. Et là, on est vraiment choqué. Déjà, ce qui m'a choqué, c'est lorsque je mets le premier pied sur le tarmac à Kinshasa, quand j'arrive, je me sens chez moi. Donc, c'est un truc puissant qui s'est dégagé, j'ai pas compris. Et j'ai dit, waouh, ouais, je suis enfin chez moi. Et en fait, c'est dur à dire de se sentir. On va dire, on n'a pas. Comme je l'expliquais dès le départ, en fait, il y a le regard que la société vous jette et le regard que vous vous jetez maintenant sur vous-même en fonction de là où vous êtes. Et moi, quand je arrive à Kin, on dit beaucoup, mon apôtre. Mais un exemple qui là où j'ai un peu. Je m'excuse auprès de mes cousins qui sont à Kinshasa, que. Côté maman, je m'excuserai, je les ai détruits un tout petit peu. C'est quand on est parti chez mes grands-parents. On est parti voir mes grands-parents et mes grands-parents. Voilà, ma grand-mère m'a reçu une vidéo même qui a fait le buzz même sur internet. Elle me parlait toujours en Tchiluba et moi je répondais en Tchiluba. Et mes cousins étaient choqués. Ils me disent Yo, j'aurais Tchiluba. Ouais. Ils me disent oh, mais nous on est là, on comprend pas. Mais je à ce moment-là, je me sens beaucoup plus congolais, kassaïen que eux. Eux, je les vois simplement comme des Kinois. C'est-à-dire que leur identité, ils les ont pris. D'ailleurs, on met ma séparation à l'Ikambo à Otoloba. Il a dit en ce moment-là, à Otoloba, Chiluba, ils sont plus Kassaïens et eux des Kinois. Mais tu sais, c'est comme si quelqu'un qui est Mukongo, il arrive à Lubumbashi, il trouve sa grand-mère qui lui parle en Kikongo. Et les autres parlent seulement en Swahili. Mais il va sentir beaucoup plus Mukongo que les autres. Parce qu'il parle la langue. Tu as un tribalisme. Non, je ne suis pas tribaliste. Non, parce que je ne suis pas tribaliste. Mon meilleur ami est un Mongo. Ah, oui. Les autres sont des Bakongo. Madame, elle est Moulouba. D'accord, je crois. On vit déjà Macapo Nios. Même si ton meilleur ami a cause à la Nios, mais. Bien, ce qui n'est pas Balouba. Ah, c'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui donne. Non, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Moi, je n'ai rien fait. Parlons un peu de nom. Parce qu'on avait parlé tout à l'heure de nom. On avait parlé des tu vois que Bisso ba congolais en fait toujours rejeté quelque part. Ba combo na Bisso Yamboka, ce qu'on appelle aujourd'hui Yamboka. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Est-ce qu'on peut dire ba combo Yamboka? Ouais, c'est bon. Mais pourquoi? Parce que ce sont seulement les prénoms. Ce sont les prénoms. Pourquoi quand on parle des trucs congolais, il faut dire Yamboka? Ouais, c'est un complexe, je pense, qu'on a un petit peu développé. On a un complexe qu'on a un petit peu développé, qu'on n'a pas voulu. Mais c'est tout simplement pour se dire Yamboka, c'est une façon de dire la source. C'est une façon de dire la source. La source. Ouais, donc, en fait, je ne pense pas qu'il faut prendre ça dans le sens péjoratif de la chose. Je pense qu'il faut beaucoup plus prendre ça dans le sens de se dire, ok, de notre... culture, on va dire, ancestrale, une culture réelle. Voilà, parce que là, aujourd'hui, on vit dans une culture qui est un petit peu imposée par l'histoire, qui est mixée. Mais je pense pas qu'il faut prendre ça dans le sens péjoratif. Je pense pas. D'accord, je crois que tu es belé, D'accord, combo na est simple. Cynthia, maketo. Maketo, Kamalandwa. Apparemment, Maketo veut dire jalousie. Ah bon? Mais Nazananga jalousie. Batebelo, Batalanga, Bayebi, que Naza jalousie. Bon, monsieur. Boroye, que Naza jalousie. Bakamara, Naoba, Monanga, Belé, Naza jalousie. Mais je crois, peut-être c'est une des choses que. Pourquoi Batebelo, Bazoubak, ça va combo? Parce que combo, la signification, Belé, ça. C'est un peu bizarre si on peut dire ou bien ma bé. Non, je pense que aujourd'hui même là, par exemple, si je te demande qu'est-ce que veut dire Cynthia? Ah, c'est une montagne comme ça en Italie. Et voilà, quelque chose comme Par exemple, moi je prends, parce que pour mon exemple, je déteste rester dans l'ignorance. Et ben j'ai cherché quelle est la signification de Piana. Ah, d'accord. Piana veut dire
le fils du roi. Cynthia Mpiana. Mpiana veut dire le fils du roi, le prince. Parce que dans le Chiluba qui se parlait dans le 11e et 12e siècle, Mpia signifiait le roi. Mpiana, son fils. Donc, pour les gens qui ne savent pas, je suis un prince. Honorable majesté, je ne sais pas quoi. Et puis Kabamba, ça veut dire quoi? Kabamba, c'est celui qui aime, si je ne me trompe pas, que Dieu, si je ne pense pas me tromper, mais c'est ça, celui qui aime imposer. Ouais, c'est celui qui aime imposer. Mais mon nom complet, parce que mon nom complet, c'est une autoroute. Hein. Ah, c'est une autoroute, ok. Alors, Mpiana, Kadilou, Kanoaï, Tengu, Yona, Kabamba, Wamutombo. Donc, il y a affaire. Mais j'ai pas, il n'y a pas tout ça sur ma carte. Il n'y a pas tout ça, il y a seulement un peu. Il y a seulement Piana, et le deuxième prénom là, de France, là, et puis Kabamba, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, sur Botibana, on peut savoir un peu Kombo Moko qui est. Moi, j'ai ma première fille, que j'ai appelée par un nom en Swahili, Ayana. Donc Shirel, Ayana, Shirel qui vient de l'hébreu, chant de Dieu. Ayana qui signifie jolie fleur en Swahili. Mais en tout cas, moi, les prénoms de Yabamindele, Nganaboya, moi, sorry. Ouais, moi aussi, je crois, Naza déjà la Chanda. Sorry. J'aime bien le nom Chanda. Changa la la Changa. C'est peli vraiment la Kombowana Achanga. Quand nous parlons de culture et tradition, ce sont deux choses différentes. Ou bien qu'on a eu au monde que c'est la même chose. Tradition. Sois plus précise. Quoi, tradition, bah, quand on parle de tradition, je ne sais pas. Tradition congolaise, c'est ça que Mikolo Tobengara Bango Yaya. Il y a famille, Yaya, Toutou. Nachilo Babéra, Toutou. Ou bien. Maman Leki, Banini. Ça, c'est à peu près la tradition. Ouais. Et maintenant, la culture, est-ce que tu vas dire culture et tradition, c'est la même chose ou bien ce sont deux choses différentes? Pour moi, ça en fait partie. Par exemple, moi, j'ai cherché à. Au-delà du fait de simplement dire défendre ma culture de Congolais, il y a les enfants de ma soeur, donc c'est trois filles, à qui j'ai imposé. À qui j'ai imposé de m'appeler Maseba Mpiana. Maseba, les amours. Parce que j'estime que aujourd'hui quand elle m'appelle tonton, je dis mais c'est des petites blanches qui me parlent. Tu vois, c'est des petites blanches, on dirait que je suis un tonton Jean-Louis, tonton machin. Non, je dis que non. Et à un moment donné, moi je me dis, il faut que je garde cette identité-là, même dans des petites choses. C'est des petites choses qu'on peut-être plus tard qui vont leur servir. Non, moi j'ai imposé de m'appeler Maseba Mpiana. Ma fille appelle ses oncles Tatou. Oui, parce que Tatou, c'est oncle paternel. Oncle paternel. Et après bon, j'attends le reste des enfants pour voir ce que je veux faire. Mais en tout cas, je compte bien imposer ce genre de respect-là. C'est juste. Mais c'est bizarre, parce que moi aussi, j'ai imposé ça parce que. Comme mes neveux et mes nièces, na lingate pas bien à tantine. Na linga na mona kango kilo. So, tantine Cynthia, je dis oh non. Ou bien bien à maman Cynthia. Je sais que il y a des autres vraiment balinga bien à maman Cynthia, j'aime pas, je suis encore jeune hein, s'il vous plaît. Pour tiquer la rana. Et je crois ben msous bien à ya Cynthia. OK. Non, je me sens mieux et je me sens congolaise quand il m'appelle ya Cynthia parce qu'en fait, maman Bisso nous a imposé na qui ya dans bab yaya et kota na bambata. Oh, donc c'est même tu n'appelles pas Aline, Yaya Aline pas. Même s'il y a un nom de différence entre Yonaye, tu vas l'appeler Yaya. Donc on nous a et même on nous a imposé avec ça. C'est pour ça que tu Yaya n'a pas bien maman biso Yaya. Bah bien écoute maman t'es dans Yaya bah Messana. Ils ont grandi ensemble avec ses frères et sœurs, c'est Yaya Micheline. Et moi aussi même tous mes nièces et mes neveux qui sont en Allemagne, on appelle Sibino Mbote Bino Nistese Yaya. Mais entre eux, Sikoto, c'est difficile de faire que Babé n'a Yaya. Mais nous, on n'a pas été imposé. Vous avez pas été. Nos parents, ça n'a pas été imposé. J'appelle ma grande soeur Toumba, mon petit frère Mouri. Mais c'est pas frères... la Wanasko Kimi culture. C'est quelque part, c'est. Bon, pas la faute des parents, mais c'est aussi. Bon, un petit peu quand même. Hein. Mais nous-mêmes, on ne s'est pas pris la tête. Hein, parce qu'on s'est dit, bon, allez, toi Toumba, toi Mukendi, toi Beya, et puis voilà. On s'appelle comme ça dans tous les sens par nos prénoms. Mais moi, le truc de Yaya,
moi je le prends de mon meilleur ami qui s'appelle Sacha Inyongo, à qui je salue, qui est actuellement à Paris, qui vient d'être papa d'un petit garçon. Je le voyais appeler toutes ses grandes sœurs, tous ses grands frères, Yaya. Il y a Marie, il y a Vincienne, il y a Anne, il y a Franski. Et je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, ok, c'est pas mal ça. Et je me suis dit, ok, ça reste quelque part notre tradition. Et il est l'un des rares qui continue jusqu'à présent à appeler ses grandes sœurs et ses grands frères par le terme de Yaya. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut transmettre aussi à nos enfants. Et c'est quelque chose que même leurs enfants aussi perpétuent directement. Donc, c'est quelque chose que moi, je trouve admirable. Ouais. Comment est-ce que tu as renforcé les comment la culture pas ba na biso ba leki na biso? Comment tu as renforcé en goko? Comment tu as la kisabango que non une culture est important la tradition na biso? Ouf, là c'est, je pense que c'est d'abord aussi beaucoup plus dans l'éducation du quotidien. Moi je prends l'exemple de ma fille. Ma fille comprend le tulba. Parce que je lui parle de temps en temps, je lui parle juste des petits mots. Moi, si elle m'appelle au téléphone, papa Maloukai, ou du Kouep, ou du Bim. Donc, elle a que 7 ans, mais elle sait dire des petites choses comme ça. Et je sais qu'après, avec le temps, elle va un petit peu développer, si Dieu le permet. Et mais par sa grand-mère, donc sa grand-mère du moins maternelle, ma fille entend parfaitement le Lingala. Et donc, c'est quelque chose où je me dis, c'est déjà une grande aide déjà pour elle, parce que elle sera apte aussi à voyager au Congo, par exemple, dans un futur prochain, et de comprendre tout ce qui se dit, et savoir répondre. Même si elle ne saura peut-être pas forcément répondre avec des mots justes, mais de manière à ce qu'elle ait cette base, je pense que c'est important de perpétuer ce genre de... Oui, je crois. Ouais. Et puis, et le mot est vraiment très important, c'est que nous, les Congolais, en fait, ils ont beaucoup de dialectes, mais entre eux, tu vas voir, quand tu pars au Nigeria, quelqu'un qui est dans le sud et quelqu'un qui est dans le nord, on commence, c'est l'anglais. S'il n'y a pas l'anglais, ils ne peuvent même pas parler, et il n'y a même pas des mots qui sont à peu près la même chose. Nous avons, on voyons ça aussi en Sud-Afrique, je crois, il y en a un peu, ils ont de place moussous ka kizulu africain et place moussous ou mounoron moussous. Donc je crois que c'est vraiment important que boy apprenez à vos enfants le lingala, parce que c'est la seule chose qui nous unit exactement. Donc au Kokende, je ne sais pas où si tu t'appelles je sais pas, tu t'appelles Kalonji, on va savoir aujourd'hui si j'entends Mutombo dire Kembe, je sais directement. Donc moi Namboka directement, c'est vraiment important. Aujourd'hui peut-être belé bazo bois qui s'assoka raba va changer nationalité, bah comme il va anglais, bah Zoboa qui c'est leur dernier nom africain. Est-ce que tu crois que Zoboa c'est un peu quand même leur identité, leur histoire? Non, à partir du moment qu'ils le conservent. Après, bon, c'est pas une histoire de priorité sur la carte d'identité. Je pense que c'est à un moment donné, c'est plus la conscience qui travaille. Rejeter leur histoire, ce serait de ne plus parler leur langue, de ne plus manger traditionnel, c'est-à-dire nos plats de chez nous. D'effacer totalement ta culture de toi-même. Et je pense que à ce moment-là, ce serait un vrai problème. À partir du moment qu'ils sont conscients qu'ils ont une culture, qu'ils ont une appartenance ethnique, et qu'ils le perpétuent autour d'eux, en restant peut-être dans leur communauté, etc., qu'ils l'entretiennent, moi, ça ne me pose pas tellement de problème qu'ils mettent leur premier. Est-ce qu'un jour, au Kendo, qu'ils nous vendent la peine au Congo, ou ils nous vendent la Congo? Franchement, oui, parce que si Dieu le permet, bien sûr, parce que. Il y a un moment donné, je pense qu'en tant que Congolais, en ayant déjà fait plusieurs voyages à Kinshasa, en étant ici, à un moment donné, on jauge. Et quand tu ne te sens plus chez toi, parce que quand tu ne te sens plus chez toi, par exemple moi ici, je ne me sens plus chez moi, il y a un moment donné, il y a cette attraction-là qui demande à qui... C'est la terre qui te rappelle. C'est la terre qui te rappelle. Et donc, voilà. Moi, j'ai plusieurs exemples dans ma famille. J'ai mon cousin Franck Moulumba, qui est rentré au Congo, j'ai Franck Mukendi de Bruxelles qui est rentré au Congo, j'en ai pas mal qui rentrent au Congo, qui petit à petit font ce pas en arrière là, de revenir à leurs sources, et voilà, je pense que l'Europe est bien pour la formation, mais à un moment donné, je pense que ce n'est pas en abandonnant là où on vient que la base développera. Donc je pense que le Congo a besoin de sa diaspora, et je pense que tout pays africain a besoin de sa diaspora, donc voilà. Moi, personnellement, j'ai fait, je crois, 3 semaines au Congo.
Après 2 semaines, je me sentais plus chez moi. C'est vrai. Après 2 semaines, à mon avis, mentalité, hein. La mentalité des gens, vraiment, que bateau, la façon qui même pas raisonne, mais la façon que bazo ça la certaines choses, dit mais est-ce que vous êtes normal? Tu vois, tu dis mais c'est pas comme ça. Tu vois, imagine toi tu fais un rendez-vous avec quelqu'un Gracine de Kamala dans nazo bois que l'autre nazo lobakaka. Vous savez, rendez-vous dans Moutou, tu dis que d'accord, tu as 15h, tu as bima, tu es bien nan pour y baso qui est après. Mais on a déjà fait le rendez-vous, tu es bien nan. Il n'y a pas de sens. Oui. Et si ton salaire qui est rendez-vous 15h, Azalana, Azalana, Wanate, ça ne me regarde pas, mais il n'y a pas vraiment, t'es Zélanan, Benganan. Je crois que j'arrivais pas. Ouais, c'est le choc de culture, c'est le choc. C'est moi aussi, Akin, moi je m'énervais tous les jours. Le chauffeur qui est en retard, tu dis viens à 10h, le mec qui est à 10h qui quitte Yolo pour venir à ma campagne. Donc, tu vois, il y a mon neveu. Donc, tous les jours, je me prenais la tête. Parce que. C'est la culture du retard, là-bas, c'est... Et nous, on a la culture de la ponctualité. Donc, surtout toi qui as grandi en Allemagne, où c'est vraiment... C'est donc, c'est 15h, donc déjà 14h30, tu dois déjà être là. Tu vois? Donc, nous, par rapport à la France, c'est une culture qui me complète un peu. Donc, tu viens un petit peu avant. Bon, si t'es en retard d'un quart d'heure, c'est pas trop grave. Ça peut passer. Mais là-bas, c'est... Je prends mon temps. Et là, c'est une chose que j'arrive pas à supporter, même quand je suis venu en Angleterre, en venant de l'Allemagne. Un pays qui est propre. Je vous dis vraiment, un pays qui est propre. Attends, on va boire, et là on a ma belle. Donc avant de boire, et là on a ma belle, tu regardes gauche et droite. Est-ce que tu viens en Angleterre, tu vois les gens boire, ma belle, leur boire, qu'elle boit. Je dis, oh là là, ça fait mal au cœur. Quand tu pars à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe au monde là-bas? Tu vas boire kabiloko. Donc ça, c'était un autre choc culturel. On a bando kokate que ce bato bazo boire que l'on a ma belle. Je dis non, s'il te plaît, lokotango ne fils que ngamo na boire kango ou bien ngamo na bando lokotango. Je sais que na boire kango tant na koma na ndako na boire kango na poubelle. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est très choquant. Ouais, c'est encore une fois, c'est la culture. C'est pas forcément la culture, mais c'est le climat, le contexte dans lequel aussi on les met. Donc quand tu sais qu'on ne pose pas des poubelles à chaque coin de rue, la seule chose que tu peux faire, c'est jeter. Donc, pour moi, tu vois, l'époque King Label, ça c'est déjà fini. Donc, c'est plus on n'a pas connu, hein. Ouais, même on n'a pas connu, même du coup. Mais j'ai envie de dire que c'est comme ça. C'est, la responsabilité ne revient pas tout le temps forcément au peuple. Bon, c'est pas un cours de politique, mais juste pour dire qu'en général, quand on demande l'exemple vient toujours d'en haut. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai que. C'est une chose qu'on les a habitués et c'est ni toi ni moi, avec notre mentalité de l'Europe, on va arranger comme ce soit. Tout un pays. Hein. Donc, c'est tout un pays. Donc, je pense que par rapport à certaines petites choses, comme moi, j'ai toujours, si je veux changer le grand Congo un jour, faut que je commence d'abord à changer mon Congo au quotidien. C'est-à-dire changer un petit peu mes amis, mon cercle d'amis, c'est-à-dire un peu essayer de conscientiser par rapport à certaines choses qui peuvent se passer. Même quand je suis au Congo, je parle que non, essayer de venir à l'heure parce que c'est la seule manière de te faire respecter quand tu fais du business. Et c'est aussi une marque de respect à l'individu. Donc, tout ça, c'est petit à petit, si une personne arrive à changer, deux changeront, 4, 6, 8 et on ainsi de suite. Donc, mais après, c'est un effort collectif après. Collectif, hein. Ouais. Et puis je crois que c'est aussi important ça au bateau tant besoin les gens au bazar déjà poto bien baya poto kala ba combiner les deux cultures parce que ma bino musika va combiner en gros que ce soit le respect des aînés exactement respect des aînés quelque chose qui est très qui est vraiment très important un peu abiso ba congolais vraiment respecter mon colonayo. Et puis quand on vient ensuite les napoto aux hommes la mentalité totalement différente on est en Angleterre bas la mentalité moko que je dis bah que boîte bah que bar bah mais li bah langue bas au Canada kuiti côte mais y bah que vendredi à 9h bah télémi bas à la moussala. Ouais ça c'est une autre ça, culture, c'est culture. Il y a Angleterre où vraiment je me dis que mais ezalade non ezalade parce que bah comme la bah langue bah sandi mais y bah que le lendemain qui pleut, qui neige, baza, à l'heure, comme ça là. Ouais, ça c'est un autre choc. J'ai fait aussi beaucoup de pays en Europe. J'ai fait la Suisse, j'ai fait. Je voyage souvent en Belgique, je vais en France, au Royaume-Uni. Et donc,
tu vois que en fonction de chaque pays là où tu vas, ça change à chaque fois. Ça change. Ça change. Et moi, je regarde des trucs, je me dis, culture africaine, heureusement que je l'ai, parce que je ne sais pas si j'avais été, si je n'avais pas suivi peut-être la culture africaine, je ne sais pas où est-ce que je serais en fait. Parce que me laisser aller à tout va, me dire, ok, on va boire, comme tu l'as dit, là, avec les Anglais qui boivent des litres de bière. Et tu dis, ok, c'est un père de famille qui est dans la rue comme ça. Mm-hmm. Ou comme on voit les mamans jamaïcaines dans la rue, c'est vrai. À Brixton, tu les vois, elles sont là, j'y pas mon coussin. Le son à fond dans la voiture, et puis, bazobina. Et c'est ça, des mères de famille. Culture africaine, tu verras pas forcément mon congolaise le faire. C'est juste question, je pense que c'est ce genre de trucs-là où tu vois que la culture africaine a encore des valeurs et des mœurs. Voilà pourquoi, en tant qu'Africain, il faut s'y accrocher. Parce que si on ne s'y accroche pas, on tombe dans le piège de la débauche. De la débauche, et surtout ici en Angleterre. C'est une ville tellement cosmopolite que choc de culture, de tous les côtés. Je suis sûre que mes parents et belé bazana na ba jeune parents ou bien mes parents déjà ou ba poussani ba âge bazo yo kamwa na moke alobi abeti moi sur bon moi là jeune papa père de famille, excusez-moi mais pour na bino moi petit jeune d'âge encore très très mûr très mature autobeta slogan mon na chiluba s'il te plaît. Bêtement encore une fois, que bah yokango comme ça, écoute à bango très bien. Ok. Alors, je vais le dire de manière doucement, de manière lente. Mvula wakaleja kaluma kwa, ce qui signifie la pluie a montré à l'homme le chemin de chez lui. Voilà. D'accord. Merci vraiment beaucoup Nandengo Yakiana. Mais avant qu'on finisse, s'il te plaît, est-ce qu'il y a un message qu'on lui donne à la communauté congolaise au Bataliyo? Et mon côté peine moi n'allinga la pardon Yaya. Ok. Bandeko. Attends votre chili boy. Bandeko. Je pense pas que Minga Loba Isali. Seulement où la Nina Loba. C'est un mot très simple. Tozala bomoko. Je pense que l'unité par rapport à message où n'appelle ça qui. Je pense qu'il faut la utiliser à bon escient d'un barbare à la français, c'est-à-dire qu'il faut en faire une bonne utilisation. Surtout qu'on néglige la culture de la bisauté, qu'on boit en haute, pour la richesse de la bisauté. Donc, je ne pense pas que. Ah oui, il y a un moment où mon boulot. Mais voilà quoi. Donc, tout simplement, voilà, on a mis dans le bas. Voilà, et puis voilà. Merci Cynthia de m'avoir reçu. Moi, dédicace pour les agricultures que la bise. C'est pénible, donc tout simplement, un grand merci à celle qui me soutient depuis le départ. Malili, elle va se reconnaître. Vesti Likemba, Sacha Nyongo, Roni, Makuza, Grigny, 91-350 Paris. Eugène Kalonji de Paris. Tout mon staff, Luanzo Matra 4x4, DJ Randy. J'ai énormément de monde à saluer, papa, maman, ma fille chérie Chichi, je t'embrasse, mes frères et sœurs Toumba, Mukendi, Beya, ainsi que leurs enfants, les neveux, les nièces, je vous embrasse tous et merci à vous de m'avoir suivi, merci à toi Cynthia de m'avoir reçu dans ton humble émission. Merci beaucoup vraiment Nandengo Yaki Awampiana. Comme on dit dans le Chiluba, toi sakujila. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer pour le Belango. Ouais. En fait, pour que certaines personnes puissent reconnaître, parce que okendo zonga. Pousso oyo eza mboka oyote o mato okita atakuto okomona eza perle Marjorie Henriette o changer ba combo nyonso ce qui ka ba tali pousso oyo ba yebi que non oza awate. Donc même si quand on parle là-bas parfois aussi on va se ressentir comme si on n'est pas de là-bas parce qu'on est dans les deux cultures là on est attaché mais vraiment linga oyeba. D'où tu viens, Lingoyeba, comme son frère, notre jeune frère, notre frère Mbiana, Aebi Mboko Naye, Aebi Tribu Naye, Aebi Descendance Naye, Aebi Makamwana Ebele Nyonso. Aujourd'hui, c'est peut-être à Kangami, quelques places, Nambujimai. Makam Lelo, Eko Bimisaye, Na Danger, Moko Bobi. Tu dis, ah, Nazande, Mona Boye.
pas de problème. Aujourd'hui même toi place aux aux yeux batté mais peut-être aux chef de famille mon peut-être aux chef de village mon mais qu'aux uns à couper bah ils ont cinq ça bisou à belé na photo qu'aujourd'hui on ne sait pas vous avez bon mon à la photo les mindele yambo on va zan à côté na bango mindele on va zan bon ok bas zan à côté na bango bas cinq ça kabangote parce qu'ils connaissent l'importance s'il vous plaît si tant vous avez à photo mais quand vous êtes en Europe bowling à bon mixer culture ou on a bon mixer tous les deux cultures et à ma il y a bien besoin il y a ma bé boboaki il y a un ça là que lobby na bino lobby a banana bino ils a vraiment très bien et mes parents aussi bon l'embatté malgré que tu travailles beaucoup malgré que peut-être aux autres temps à quoi l'embatté culture identité na bise ma congolo beaucoup tu sais on a quatre à banana bino parce que éco sauver banana bino le lendemain merci vraiment la batonnier sur batala qui wana je sais aussi que nos collègues l'a dit que nos benganga maseba Stéphane na quatre à Paris merci année au talak qui maseba Lek au place aux uns na Bruxelles et puis mon frère mon jumeau que j'aime beaucoup de tout mon cœur Ronald Kams Kamalandwa avec tout votre soutien, n'oubliez pas, continuez à regarder. Et aussi en Allemagne, il y a André Lodama, salam, salam, quoi bien, pour éveiller la conscience des Congolais, baye ba culture na bango, baye ba eloni ba ko sala pour un demain, un Congo qui est mieux. Et aussi pour koza na bango na Allemagne, ezala plus mieux et en plus sécurité comme ça bah, place bah, outil donc il y a beaucoup à parler il y a beaucoup de personnes à remercier mais vraiment mon thème Gloria Angélique Nzama Pambola Yom Tosali Kebiso Lilo Tomonana merci et à trop bientôt n'oubliez pas que à partir d'aujourd'hui beaucoup mon abiso peu na Congo The Boss Province TV Ezo Lexana Congo sur la chaîne 44 Banamboka Binone Sobozota la chaîne 44 la TNT Sobozana Smart TV Obeta 44 pour mon live à partir de Londres pour la bino tozala pendant CP Sabino. J'ai juste un petit bonjour spécial à faire à Josué Kenga de Miami. Il sait bonjour. Bonjour à toi Josué. On est ensemble. Merci à tout le monde et à la prochaine fois avec Cynthia. Je suis sûr que Mpiana Pé Ozala. La prochaine fois. Merci. Au revoir. Comme le poisson kitoko boyo le king de la nini. L'accent non secret non. Grâce beauté produits cosmétiques. Et ça. Oti wap yo bibi wap yo ngengi boye. Eroko nini ele gilo poso kominge bunge bu. Bona grâce et chocolat poso. Ma puta grâce et chocolat poso. Okay.